Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est mercredi 6 novembre, il est 8h10. Là, on commence la journée en allant prendre un café avec nos amis. On doit enchaîner sur le sport. Malheureusement, j'ai 0% de batterie. Ça veut dire que la caméra va s'éteindre. Donc, il faut que je trouve un moyen là de charger mon appareil photo. Je sais pas si du coup on va rentrer. Bref, la matinée un petit peu compromise. C'est trop dommage. On avait plein de belles choses de prévues en plus. Mais on va faire en fonction aussi. Donc, je vais voir si je trouve une solution. Mais je suis vraiment pas sûre. Donc bref, en tout cas, je vous ramène avec moi comme je peux. C'est parti, let's go. Regarde, regarde. Bon, je suis trop contente de pouvoir vous retrouver. Comme je vous ai dit, j'avais pas du tout de batterie ce matin. J'ai essayé de faire quelques rushs, mais ça s'est éteint à chaque fois. Donc je sais pas du tout si ça s'est enregistré ou pas. Et donc bref, on a récupéré les enfants à l'école. Comment je vous ai mis à charger du coup? Comme je vous ai dit ce matin, on est parti prendre le café avec nos amis. Et d'ailleurs on a rencontré aussi d'autres parents de l'école avec qui on a pris le café. Genre trop bon feeling. Je pense qu'on va se revoir, on va se refaire des petits cafés et tout. Mais bref, ce qui fait que j'ai laissé mon appareil photo à Malika. Elle l'a chargé chez elle et elle me l'a re-ramené. Donc là je vais pouvoir vous ramener avec moi pour le reste de cette journée. Pour vous situer, il est déjà midi. C'est vrai que quand on est à l'école, on traîne beaucoup, on prend trop de temps à ressortir de cette école. Pan est tombé en repartant, il a pleuré. Laina, la pauvre, pareil, elle a trébuché sur des racines d'arbres et elle s'est vraiment fait mal, la pauvre. Oui, Sohan. Donc là, mission, on va à la plage, on va aller à celle de Montchoisy. J'ai ramené de quoi manger, donc ce matin j'ai fait vite fait des petits poulets au air fryer et j'ai fait une quiche également, donc ce sera le déjeuner de ce midi et on va manger tranquillement sur la plage. Bref, je vous ramène avec moi pour le reste de cette journée qui commence en fait réellement que maintenant pour moi, étant donné que j'ai pas pu vous prendre avant, mais j'ai fait une bonne séance de sport, ça m'a fait trop du bien. Allez, à tout à l'heure. Waouh, la couleur de l'eau. Oh, franchement, on va être bien ici cet après-midi. Elle est trop belle l'eau, mon petit cœur. Tu me dis si elle est bonne? Elle est bonne? Elle est pas froide? D'ailleurs, les filles, la jupe de maillot de bain, c'est sur Shein. En fait, ça, je l'avais pris avec un maillot. C'est pas le bon maillot, je crois, là, qui va avec. Mais je trouve ça trop pratique comme ça, que ce soit les jupes, maillot de bain ou les petits shorts. Que ce soit les jupes. Oui, t'auras plus mal. Mon amour, elle est tombée tout à l'heure. Donc je vous disais que ce soit les shorts de maillot de bain ou les jupes, et ben comme ça les petites filles elles sont tranquilles et confortables quand elles jouent et puis on voit pas tout quoi. On s'est bien amusé à la plage, là il est déjà 15h. Oula, là il est déjà 15h30, on passe vite fait à Super U. Faut qu'on prenne un short de bain Inaya demain à la voile. Faut qu'on rajoute des petits trucs aussi pour son pique-nique. Donc écoutez, on va prendre tout ce qu'il faut. Et après on va rentrer, ça va être les douches, les devoirs. Et en fait le temps passe juste hyper vite, je me rends compte. En tout cas on a bien profité, on s'est bien baigné, on a bronzé. Et là on va terminer la journée tranquillement. Bon, du coup, on a pris ce short de bain pour Inaya, on a pris un 12 ans. On a pris rayon garçon parce que rayon fit a que des shorts de bain legging et c'était pas du tout ce que nous on recherchait. Celui-là il est un peu plus large, etc. Après il faudrait juste le resserrer en haut. Mais il est très beau, franchement il est très très joli. Moi aussi j'aime trop. Bon bref, c'est parti, on va prendre le reste et on s'en va. On est de retour à la maison. On est passé vite fait prendre du coup, comme je vous disais, 2-3 bricoles pour le pique-nique d'Inaya demain notamment. Et on est éclatés.
Là, il est 17h et franchement, on est tellement cuits. Si on pouvait aller se coucher, là, je pense qu'on irait tous dormir. La journée est loin d'être finie. J'ai le gâteau d'anniversaire de Sohan à faire pour l'école demain. Donc, je vais faire ça. D'ailleurs, j'ai repris du coup des petites tablettes de chocolat. En fait, celui-là, il est bien parce qu'on a 5 tablettes dans ce paquet. Je crois que c'est genre la marque repère de Super U. Du coup, c'est ça. Mais la marque repère de Super U, c'est une marque de luxe ici, ok. Genre vraiment, ça coûte le prix comme si on était vraiment sur la qualité premium. C'est une dinguerie. Mais si j'aime bien celui-là, c'est parce que le chocolat qui vient de France, franchement, il est super bon. Pour le coup, le chocolat d'ici, j'aime pas le goût. Vraiment, j'aime pas genre les gâteaux au chocolat et tout. Je n'aime pas du tout. Et du coup, c'était trop primordial là, de prendre du chocolat parce que j'en avais plus. J'ai pris, mais alors, je sais pas trop ce que ça vaut. En tout cas, c'est là, je sais pas. J'ai pris des petites barres comme ça aux céréales. Mais en vrai, faut grave les faire au Thermomix parce qu'il y a des recettes. Mais là, je les ai pris vraiment pour les jours de flemme. Et du coup, j'ai pris celles-là aussi. C'est là par contre, ils sont vraiment, vraiment, vraiment excellents. J'avais pris vraiment comme ça pour tester et le coup de cœur, donc j'ai pris quand même plusieurs paquets. Du coup, c'est à la pistache, il y a du chocolat noir, des cacahuètes. Oulala. Et franchement, je les trouve vraiment très bons. Ils sont vegan, etc. Après, niveau compo, franchement, ça a l'air d'aller, mais c'est mieux quand même de le faire à la maison, surtout que c'est pas compliqué, donc faut vraiment que je le fasse. Petit jus d'orange. Ensuite, bah, j'ai juste repris de la farine du coup parce qu'il fallait que je fasse les gâteaux. Donc je vais quand même faire les douches d'abord, après les gâteaux. Maman, j'aime. Ok, mon cœur. Voilà les cheveux, mon bébé. Hein. Il faut absolument que tu défasses tes cheveux. Allez, c'est parti. C'était où, mon cœur? Qui était dans la poubelle. Léa, quoi ça? Elle a donné quoi? Du chocolat. Et moi, elle a donné du chocolat. Elle a fait plein de trucs de petits patins. Franchement, la douche après la plage, elle fait trop du bien. Là, j'ai également mis mon petit soin NMB cosmétique sur mes longueurs. Je l'aime vraiment trop. Je prends le temps de démêler mes cheveux et après, je vais hydrater ma peau. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Mais ça fait un petit moment quand même que j'utilise la même chose. Ça fait quand même longtemps que je ne voulais pas montrer. Du coup, là, fin de journée, vraiment comme je l'aime, très très calme. Je vais aller faire les devoirs par contre avec Lena Ross. Inaya n'a pas de devoir pour demain, donc ça c'est vraiment chouette pour elle. Et par contre, Léna, on va terminer ses devoirs. Inaya, elle a voile demain. Elle appréhende un petit peu la voile parce qu'elle a peur de tomber, mais je lui dis que ça va bien se passer. En soi, elle sait nager, ils ont pris des cours là de natation. Et franchement, c'était plutôt bien. Après, tout à l'heure, dans l'eau, j'apprenais Inaya à faire l'étoile. Et comme ça, je lui ai dit, si jamais ça arrive que tu tombes dans l'eau, même si c'est quand même pas souvent que ça arrive, j'imagine, et eh ben tu fais l'étoile de mer et comme ça tu flottes parce que t'auras pas pied. Donc fais l'étoile de mer, tu flottes et tout ira bien. De toute façon, il y a des adultes autour de toi et tout, donc ça va bien se passer, Inch'Allah. C'est de la rassurer au maximum, mais c'est des petites choses comme ça qui peuvent l'angoisser parfois. Je vous les ai montrées à plusieurs reprises. C'est la marque Revuel. On les retrouve en France à Normal, mais vous les retrouvez aussi très facilement en Espagne. Donc en Espagne, vous les retrouvez à Primor et un petit peu à tous les magasins où ils vendent des soins. Donc en fait, c'est au rétinol et celui de la journée. Il est vraiment top. Il a un SPF 30. C'est très important d'avoir une crème avec un SPF ou alors mettre de la crème solaire tous les jours. Même s'il n'y a pas de soleil qui tape tous les jours, et ben en fait, ça va ralentir le vieillissement de la peau. Celui-ci, du coup, je le mets la nuit. C'est déjà l'heure de la prière. C'est passé vite cette journée quand même. Et donc pour le contour des yeux, donc ça pareil, je le loupe très rarement, c'est celui de chez Sanoflore. Donc celui-ci,
Ça fait un moment que je l'utilise et franchement, je le rachète à chaque fois parce que je l'aime beaucoup. Mais malgré que je l'aime vraiment beaucoup, je crois que j'ai envie de tester autre chose aussi, juste pour changer parce que j'aime trop le changement. Du coup, je vais me taire un peu. Toute ma vie, tous les soirs, je dois venir ici, je dois ranger. Regardez, tout ce que Sohan il a laissé ici. En plus, c'est des voitures en bois, ce qui veut dire que s'ils prennent la pluie, ils seront pas très beaux. Ah là là, ce gosse. Comme si j'avais que ça à faire, n'est-ce pas? Il est 21h, je suis complètement claquée. Tout le monde dort. Alors là, pour le coup, je vous explique un petit peu. Quand il y a match de foot, Alice s'endort avec Sohan, donc assez tôt. Et après, il se réveille. Donc ici, c'est minuit. Parce qu'en fait, avant, on avait 2 heures de décalage, ce qui fait que c'était 23h ici quand le match commençait. Sauf que maintenant, on a 3h. Donc il se réveillera à minuit pour le match. Bref, je vous montre vite fait, j'ai fait le petit gâteau à Sohan. Alors franchement, il est moche, mais vous savez, moi je fais des gâteaux moches, mais franchement, ils sont bons. Donc, faut que je le démoule, que je le mette dans une assiette. Mais en soi, c'est juste un petit gâteau au chocolat. Et là, toute ma maison sent ça. Alors en fait, ça, c'est un aromate. Ça ressemble à des petites feuilles comme ça, et on met ça dans nos plats en sauce. Et on appelle ça curry poulet. Et en gros, ma maman, elle a mis ça de côté pour Malika, donc je vais lui apporter demain. C'est trop chouette, vu qu'on se voit tous les matins quasiment à l'école. Et ben, je vais pouvoir lui apporter. Hop là. Et franchement, je sais qu'ici, on utilise ça quand même pas mal. Et donc là, à chaque fois qu'on a des petits trucs comme ça dans le jardin, et tout, ben, ça nous fait plaisir aussi de partager autour de nous. Du coup, il ne faut vraiment pas que j'oublie, mais vu que toute la maison sans cet aromate là, bah, je pense pas que je vais oublier. Bref, je vais démouler le gâteau. Je vais enlever tout ce qui est sur le truc à sécher la vaisselle. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et après, je vais faire les lunchs. Alors demain, Inaya, comme je vous ai dit, elle a une sortie. Donc, elle va faire de la voile. Je trouve que c'est vraiment trop chouette. J'espère qu'elle va kiffer, que ça va être une belle expérience et qu'elle va mettre son stress de côté. Mais du coup, je vais lui préparer des petits sandwichs, tout simplement. Et en fait, je vais faire la même chose pour Laina, tant qu'à faire. Par contre, Sohan, il mange pas le sandwich. En fait, j'avais prévu du coup des sandwichs avec du pain de mie, sauf que Sohan ne mange pas de pain de mie. Donc voilà, il va falloir que je lui fasse un autre truc. Je ne cache pas que j'ai pas particulièrement envie là, mais il faut vraiment le faire. Donc je vais le faire. Et je sais pas encore ce que je vais faire. Moi à 21h, je ne cache pas que j'ai zéro inspi pour cuisiner. Mais franchement, demain matin, c'est mort. On se réveille, il est 6h. Vous imaginez à 6h en train de cuisiner, c'est inenvisageable. Franchement, c'est inenvisageable. Donc je vais le faire maintenant et puis comme ça, je serai tranquille demain matin. Les filles, j'ai oublié de vous reprendre, mais ça y est, je viens de terminer la dernière lunch et c'est celle de Sohan. Donc pour les filles, j'ai fait des sandwichs. Pour Sohan, j'ai fait des pâtes au fromage avec du saucisson. Franchement, il n'y a pas plus simple. Moi, je suis sûre comme toi qu'il va manger son repas. Parce que là, c'est vrai qu'il y a des fois où il ne mange pas tout ce que je lui mets, voire franchement, tu vois qu'il a goûté, mais qu'il n'a pas kiffé. Sinon, là, pour Inaya, du coup, j'ai préparé son petit sac. Je lui ai encore fait un joli petit mot. Je pense que ça lui ferait plaisir.
Et par contre, sa boîte de lunch à elle est au frais. Je vais mettre celle de Swan, mais vu que les pâtes sont encore chaudes, là, je vais attendre un petit peu. Mais c'est bon, je suis contente. On a terminé quasiment la journée. Il n'y a plus qu'à... Je vais commencer le montage parce qu'en vrai, même si je le termine demain à la salle de sport, vaut mieux que je le commence, sinon je vais me retrouver quand même avec une grosse charge de travail. Et en soi, je ne sais jamais trop combien de temps j'aurai pour faire le montage. Et donc, je préfère m'avancer quand même un petit peu, même si je vais le terminer au calme là-bas. Du coup, écoutez, il est plus que temps de se quitter ici. J'espère sincèrement que cette petite vidéo, une fois de plus, vous aura plu. En vrai, elle aurait été tellement plus longue si je n'avais pas oublié de charger ma caméra. Mais là, on a loupé absolument la moitié de la journée, donc je me rattrape demain, Inch'Allah. Je vous fais de très gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à demain, Inch'Allah.